Ah mais tu vois le pied. Mais tu vois le taquet, là, pourquoi vous n'avancez pas? Hein? Voilà. Si tu n'avances pas, tout là, vous n'êtes qu'après. Même vous ne savez pas ralentir, vous ne pouvez pas. Vous savez, non? Et si nous avançons, tout là, vous n'êtes que, je vais ralentir après. Vous pouvez nous pas mourir, mais il n'y a pas. Oh,
de bien voir, vous voulez plutôt être obligé de voir. À la table, tout le monde va. Yoka, où t'es là, Yoka? Niaga. Diga tu como. Venda. Thank you.
Tu vois comment tu te agis ça. Ouais, faut. Ah, tu comprends pas. Thank you.
C'est moi. Donc laissez seulement, il ne va rien se passer. Je vous en prie. Oui, ça, je vous en prie. Thank you.
Gracias.
sou, oh maman. Banzenda beto ngo. Banzenda beto, oh maman. 9 juin 2008. Betome yamba banzenda ya buzitu na département ya poule. Banzenda samu na kukwiza. Kusala kimona misu. Banzenda samu na kuiza pesa beto maboko. Bana ya poule. Samu na opération ya ibake mokila. PNDDR. Ulokuta minduki ya babana betu ine salaka mamvita nyonso ina ni ina betu meyondama awa Excellence Monsieur le Haut Commissaire à la réinsertion des ex-combattants Excellence Monsieur le délégué général auprès du président de la République, chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Monsieur le préfet du département du Poule, honorable député, leur excellence, le nonce apostolique, monsieur le commandant de zone militaire de défense numéro 8, Monsieur le secrétaire général du département du Poule, messieurs les autorités de la force publique, messieurs les membres du comité départemental du PNDDR, messieurs les directeurs et chefs de service départementaux, distingués invités, mesdames, messieurs, ce jour 9 juin 2008, nous voici une fois de plus, en ces lieux, un an après, devant nous-mêmes et devant notre histoire. Coïncidence ou simple réalité? Non, fille et fils du poule, nous dirons que c'est un désir d'au-delà, un désir également partagé des filles et fils du département du Poule, de la communauté internationale, du gouvernement de la République et en premier lieu son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, président de la République. De tout cœur intérieur, nous sommes bénis. Le département est béni et sachons lire les signes du temps. Amen. Amen. Mesdames, messieurs, après la cérémonie d'incinération d'armes de guerre, à travers un grand bûcher organisé à cet effet le 7 juin 2007, nous voici encore rassemblés pour le lancement officiel du PNDDR, un programme national fait de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants, ceux encore actifs autour du poste Ntoumi en général. La paix, rien que la paix pour le Congo en général et le département du Poule en particulier, tels sont les objectifs que toutes les autorités ne cessent de poursuivre. Sur le contenu et l'intérêt de la cérémonie de ce jour, nous suivrons respectivement le mot de bienvenue à nos hôtes de marque ici présents, le monsieur le préfet du département du Poule, le mot du représentant de la Banque mondiale, le mot du délégué général auprès du président de la République chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation de séquelles de guerre, et enfin le mot du haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants. Mesdames, messieurs, distingués invités, en vue d'un meilleur confort d'écoute, nous allons suivre une prestation artistique du groupe
Mbanza Congo de Lungi. Le groupe. Excellences, Monsieur le Commissaire à la réinsertion des ex-combattants. Excellences, Monsieur le Délégué Général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Honorables députés, Messieurs les représentants de la communauté internationale, distingués invités, mesdames, messieurs, avant de formuler mon souhait de bienvenue à nos hôtes, j'invite la population de Poule, là où ils se trouvent, de s'arrêter un peu pour applaudir au fond de leur cœur cet homme pour sa patience, sa sagesse, sa tolérance, sa détermination et pour son amour envers le peuple de Poule. Cet homme, vous l'aviez deviné, il s'agit de Denis Sassou Nguesso, homme de paix. Messieurs les ministres, à la faveur du lancement officiel de ce jour du programme national de désarmement, démobilisation et de réinsertion des ex-combattants en cycle NDD, permettez-moi que je puisse formuler à vous-même ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent la chaleureuse bienvenue à Kinkala, capitale de notre historique et hospitalière terre de Poule. Au nom de la population de Poule et à mon nom personnel, je vous souhaite un bon séjour de travail parmi nous, bref soit-il. Distingués invités, mesdames, messieurs, la cérémonie de ce jour traduit une fois de plus la ferme volonté du gouvernement de la République et particulièrement de son chef, le président Denis Sassou Nguesso, de consolider et de raffermir la paix dans le département de Poule et partant le Congo tout entier. L'état de droit, les libertés fondamentales, les droits humains, la paix et la sécurité des personnes et des biens sont et restent pour le président de la République, des valeurs cardinales pour lesquelles il ne cesse de se déployer parce que, aime-t-il à le rappeler, elles sont le fondement de la construction de notre société et de notre vie en commun pour les cieux. Un an nous sépare de la grande cérémonie de destruction des armes en ces lieux même, suivi de la tenue de la concertation citoyenne des filles et d'importantes avancées significatives
sûr, les efforts de paix ont été observés. Aujourd'hui, 9 juin 2008, nous voici une fois de plus placés devant l'histoire, devant notre peuple, devant la communauté internationale, en vue de procéder au lancement officiel de Pendeider. Monsieur le délégué général, pour avoir facilité la réalisation de ce programme, à l'endroit du haut commissaire pour ses efforts en vue de l'aboutissement de ce projet. Mesdames, Messieurs, grande et d'ordre joie qui inonde nos cœurs ce jour dans le département de Poul. C'est de tout cœur que la population de Poul, par ma voix, tient à exprimer toute sa gratitude appuyée au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui daigne accepter toute notre considération. Et mesdames et messieurs, la réinsertion des ex-combattants a toujours été perçue par notre population comme un gage de tiers-civilité de la paix dans le département. La population peut ce jour reprendre incontestablement sa vitesse de croisière dans le département. Très chers jeunes, je vous invite de vous éloigner de la violence aveugle qui a cohabité avec nous. Tournez-vous désormais vers la reconstruction et le développement de notre département. Saisissez l'occasion ici présente pour accompagner les efforts de paix du président de la République. Distingués invités, que le Seigneur puisse, tout-puissant, bénisse le département de Poul et qui nous accompagne dans la mise en œuvre de Pendeider. Une fois de plus, bon séjour de travail à Kikala, vive le président Denis Sassou Nguesso, vive le département de Poul, je vous remercie. Distingués invités, mesdames, messieurs, préoccupés à tous les déchirements qui ont lieu ça et là dans notre continent, elle s'investit et encourage tous les efforts de paix initiés par les différents gouvernements. Ainsi donc, mesdames, messieurs, je vous invite de suivre avec attention le mot du représentant de la Banque mondiale. Excellences, Monsieur le Haut Commissaire, Excellences, Monsieur le Délégué Général, Monsieur le Préfet du département du Poul, Excellences, Monsieur le Nonce Apostolique, Monseigneur Milandou, Monseigneur Portela, Honorable Député, chers collègues, partenaires techniques et financiers du Congo, Monsieur le coordonnateur du PNDDR, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de prendre la parole au nom du MDRP et de la Banque mondiale à l'occasion de la présente cérémonie. La présence de la communauté internationale en ces lieux, en particulier la présence de notre délégation, est une preuve supplémentaire de notre conviction selon laquelle il ne saurait y avoir de développement durable du Congo sans paix ni sécurité. La Banque mondiale et le MDRP ont donc soutenu et continuent de soutenir le PNDDR
parce qu'il s'agit d'un programme prioritaire élaboré et exécuté par le gouvernement congolais. C'est dans ce cadre que nous avons d'ailleurs mobilisé un don multibailleur de 17 millions de dollars américains. Sur un total de 25 millions de dollars, l'Union européenne et le gouvernement congolais apportent la différence par rapport donc aux 17 millions dont j'ai parlé tantôt. En d'autres termes, le PNDDR est de notre point de vue l'instrument privilégié pour mettre en œuvre la stratégie de réduction de la pauvreté qui vient d'être adoptée notamment en avril dernier, à savoir, je cite, amélioration de la gouvernance et de la sécurité, fin de citation. L'événement de ce jour constitue de toute évidence le tournant décisif pour la couverture par le PNDDR de l'ensemble du pays. C'est pour cette raison que nous voudrions féliciter ici tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu possible cet événement. En tout état de cause, je voudrais réaffirmer notre volonté de continuer d'accompagner, tout au moins d'ici la clôture du don, le processus de consolidation de paix et de sécurité, gage de tout développement économique, de l'atteinte des objectifs du millénaire et par-dessus tout du développement tout court. La stratégie de développement en vue de pérenniser les acquis a fait l'objet d'une concertation il y a quelques semaines dans les bureaux de la Banque mondiale le 8 mai. Par la suite, il y a eu le comité de pilotage qui a eu lieu à Abo, qui s'est également penché sur la problématique de la pérennisation des acquis. Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le Délégué Général, Monsieur le Préfet du département du Poule, nous voudrions vous présenter nos sentiments de gratitude pour nous avoir associés à la présente cérémonie. Enfin, nous voudrions souhaiter plein succès aux opérations de DDR dans le Poule et dans le pays tout entier. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Multiforme de maintien de la paix se trouve Son Excellence Monsieur le Délégué Général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre que je m'en vais très respectueusement inviter du haut de cette tribune pour donner un signal fort, pour donner sa voix à travers son allocution d'usage. Monsieur le Délégué Général. Congo.
Excellences, messieurs les ambassadeurs, messieurs les représentants des missions diplomatiques, Excellences, messieurs les représentants du système des Nations Unies, Excellences, monsieur le représentant de la Banque mondiale, messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames, messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à cet appel, car pour nous, nous pensions, puisque nous sommes depuis la signature de cessez-le-feu de la force publique mandatée par le gouvernement d'une part et le Conseil national de la résistance qui avait mandaté la force d'autodéfense de la résistance d'autre part. Nous aujourd'hui, nous venons pour préciser devant l'opinion publique nationale et internationale de notre volonté à la paix. Le mot de monsieur le représentant de la Banque mondiale a bien attiré mon attention. Et nous savons nous tous que la guerre est une expression parce que ce n'est pas par un plaisir que quelqu'un peut s'hasarder d'aller prendre les armes et d'aller accepter mourir. Mais c'est une expression, je le dis bien. Nous avons signé un accord entre le gouvernement, qui est le mandant, et le Conseil national de la résistance, qui est notre mandant. Depuis le 29 décembre 1999, nous sommes aujourd'hui à notre 9e année depuis la signature de cet accord. De notre côté, puisque nous représentons une partie dans cet accord-là, le constat fait, c'est que il n'y a eu aucune concession politique, alors que l'accord prévoyait la formation d'un bloc solidaire capable de s'opposer à toutes les forces hostiles à la paix et à la réconciliation nationale, ainsi qu'aux adeptes de la violence sous toutes ses formes. D'où j'ai dit que j'ai retenu le mot de monsieur le représentant de la Banque mondiale, parce qu'ils ne cessent de ménager leurs efforts pour pouvoir pousser le gouvernement de la République à pouvoir respecter et à pouvoir pérenniser la paix. Il a cité l'amélioration de la gouvernance et la sécurité. Si nous, aujourd'hui, si nous sommes partie prenante, c'est comme je l'avais expliqué la fois dernière quand nous étions ici à la concertation citoyenne des ressortissants du pôle. Le CNR n'était pas une formation politique. Le CNR n'était pas une organisation au départ. Mais c'était par la force des choses que les populations martyrisées, ceux qui étaient dans le pôle, la Bouenza, la Lekoumou, le Niari et une partie du Kouilou forestier, s'étaient levés parce que cette guerre leur avait été imposée. Ils étaient obligés de prendre les armes parce que ceux qui venaient dans ces lieux-là étaient armés et il n'y avait pas aucune autre issue que de se défendre. C'est pourquoi nous avons intitulé ou dénommé notre mouvement Conseil national de la résistance.
Mais nous ne sommes pas une rébellion comme on nous présente. Nous n'avons eu le soutien d'aucune institution, nous n'avons eu le soutien d'aucune métropole, mais nous avons pu faire ce que nous avons fait avec les moyens de bord. Cependant, les armes qui ont été utilisées sur nous sont des armes défendues par la Convention de guerre. Ce jour-là, j'ai sorti un obus, le BEM-21. Vous en étiez témoin, pour certains qui sont sur place ici. Nous sommes venus aujourd'hui, ce n'est pas pour créer ce vide-là. Parce que s'il faut regarder les engagements pris dans toutes les parties, nous avons dit que le PNDDR était conditionné à la résolution politique. C'était lors des commissions. Et nous avons signé un communiqué final dans toutes les parties. Même le préfet du département du Poule était observateur ce jour-là. Je le prends à témoin, il est là. Mais aucun des engagements pris par le gouvernement n'est appliqué jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, nous pensions que le PNDDR était la phase finale. Si je ne serais pas venu et que de là où j'étais, si j'allais dire que je ne viens pas parce que le gouvernement ne respectait pas ses engagements, on allait me présenter que j'étais un va-t-en-guerre. C'était pour trouver des prétextes pour relancer les hostilités dans le Poule. Je veux préserver le Poule du martyr. Je ne veux plus que les gens meurent dans le Poule sous prétexte qu'il y a Ntoumi. Je suis ici, je suis un partenaire de paix avec le gouvernement. Et le gouvernement aujourd'hui peut venir dire ici, depuis que nous avons signé l'accord de cessez-le-feu, ça fait 9 ans de cela, où est-ce que moi je suis allé avec les ninjas attaquer les militaires ou mener une quelconque action militaire? Je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, moi j'ai été attaqué dans le Poule à Binza. Ce n'est pas pour redire ce que nous avons vécu. Mais puisque tout ce que nous avons vécu s'inscrit dans l'histoire de notre pays, nous ne pouvons pas l'oublier. Beaucoup de gens pensaient que Ntoumi était comme un lion qui déchirait. Ntoumi était un bandit. Ntoumi, c'est quelqu'un qui ne raisonnait pas. On m'a présenté comme si j'étais une épouvantail. Et pour que tout ce qu'ils allaient faire sur moi, qu'ils aient la caution de la communauté internationale et de l'opinion publique. Je ne suis pas un bandit. Nous sommes venus aujourd'hui préserver le Poule de tous les aléas pour qu'on ne dise plus que voilà, il y a des armes dans le Poule, donc il faut entreprendre des actions ou des opérations de police ou militaires. Les armes seront ramassées, pas par l'armée, pas par la force publique en tant que partie prenante. La force publique n'est pas neutre dans le conflit. Nous faisons confiance à la communauté internationale qui nous assiste et qui nous appuie dans toutes les parties et préserver les acquis de paix. Aujourd'hui, si je suis venu depuis la concertation publique, mais l'armée ne doit pas être utilisée par les politiques pour décimer les populations et pour détruire les habitations. Ce n'est pas les missions conventionnelles de l'armée. Il faudrait que l'armée aujourd'hui, je l'exhorte, revienne au caractère apolitique. Et c'est ce qui va rassurer les politiques, c'est-à-dire les partis politiques, pour qu'il n'y ait plus des partis politiques qui entretiennent des milices. Mais quand finaliser, comment ils doivent faire? Ils vont s'exprimer comment? C'est pourquoi nous interpellons la communauté internationale de pouvoir assister les Congolais
pour la sécurité collective. Aujourd'hui, si je suis venu, c'est pour une fois de plus montrer ma bonne foi. Mais il y a des choses qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été appliquées. Je cite, lors des commissions, nous avons négocié le recrutement dans la force publique des éléments de la FADER, c'est-à-dire les ex-combattants. Au départ, on avait eu un ordre d'appel de 250 éléments à recruter. Nous nous sommes dit non, parce que avant le dialogue national sans exclusive, quand nous étions encore à Vinza, j'avais demandé que le chef de l'État prenne une note pour recruter les ex-combattants. J'avais déjà négocié cela. J'avais obtenu un quota de 1000 ex-combattants à recruter dans la force publique. Et ce recrutement est un recrutement spécial. Je détiens la note jusqu'à aujourd'hui. À Vinza, là où nous étions surpris d'apprendre que le recrutement avait été exécuté, alors que l'intitulé de la note dit bien « recrutement spécial ». C'était les ex-combattants du révérend pasteur Ntoumi qui devrait bénéficier ce recrutement-là. C'est pourquoi nous avons renégocié pour demander au chef de l'État, puisque nous sommes dans la paix, nous devons revenir à la disposition, c'est-à-dire à l'article 6, pour redonner un caractère républicain à notre armée et pour qu'il n'y ait plus des tendances, parce que ces jeunes-là, qu'on le veuille ou pas, ils ont un passé commun avec les militaires. Ils étaient à la guerre. Et pour certains, ils sont devenus grands. Ils savent aussi réfléchir et analyser. Il faudra qu'ils soient rassurés qu'il y a aussi ceux de leurs frères qui ont été recrutés et dans les missions qui seront mis dans le pôle, c'est-à-dire dans les anciennes zones de conflit, il faudrait qu'il y ait cette cohabitation et pour qu'il y ait la quiétude dans toutes les parties. C'est pourquoi, moi, j'avais demandé une rencontre avec le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants. C'était par ma demande. C'était pour qu'on puisse tabler sur un certain nombre de points avant de venir, lui et moi, venir lancer le peine de guerre qui nous concernait tous, c'est-à-dire le gouvernement et le CNR, comme nous l'intitulons, Programme national de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Ce n'est pas un programme qui concerne seulement le pôle, mais ce programme-là regarde d'abord les 5 000 qui sont autour de moi. Il y a aussi les 6 000 qui sont dans la force publique qui devront être radiés. C'était par la demande du Fonds monétaire international. Et si nous regardons, beaucoup de militaires ne connaissent pas ce que c'est la déontologie militaire. C'est pourquoi on a dit aussi que les militaires, 6 000, soit un nombre de 6 000, devraient être enlevés de la force publique pour qu'ils soient réinsérés au même titre que les ex-combattants. Il y a aussi les 19 000 auto-démobilisés. Si nous avons exigé depuis que nous puissions participer dans les structures de peine de guerre, c'est pour que nous aussi, en tant que partie prenante, nous suivons ce qui va se faire sur le terrain. C'est pourquoi j'avais dit ici que il y a une coordination nationale du PNDDR. Mais dans cette structure-là, le CNR n'est pas représenté, alors que nous avons signé un accord paritaire et mixte. C'est pourquoi j'avais demandé que la communauté internationale, que le gouvernement prenne en compte le CNR à la coordination nationale. Et à la coordination départementale aussi, nous devons être représentés. Sur ce qui avait été fait, nous avons reçu les membres
de la communauté internationale qui était représentée par quelques membres de la Banque mondiale et les membres du Haut Commissariat. Nous étions à Soumouna. Moi, j'ai délégué mes collaborateurs qui sont venus ici et ils ont eu une séance de travail qui avait duré, je pense, 4 jours. Et c'est de là que nous avons tablé qu'à la coordination nationale, il n'était plus possible que vous ayez des représentants parce que les donateurs ont déjà comptabilisé les fonds qui devront être utilisés pour ceux-là qui sont pris en compte. D'où, puisque vous avez vos représentants au Haut Commissariat, vous avez deux commissaires, le commissaire Mizi et le commissaire Binsamou Sylvain, les deux commissaires pourront vous représenter à la coordination nationale. J'ai dit d'accord. À la coordination départementale, donc, nous avons proposé deux de nos membres. Il s'agit de M. Mayala Rodriguez et de M. Mbemba Jonas, qui travaillent déjà pour le compte du PNDDR à la coordination départementale. Moi, mon souci, dans la rencontre que j'avais demandée avec le haut commissaire, c'était de lui exposer la chose telle elle existe. Parce que je suis dans le pôle. Non pas seulement que je suis un acteur politique, mais je suis aussi un homme de terrain. Partout où il y a des situations, je suis obligé d'y aller. C'est pour préserver la paix. Donc les réalités du terrain parfois nous demandent que, avant d'aller nous engager, parce que ce que nous faisons ici a aussi un cadre juridique. C'est pourquoi j'avais dit que nous devrons d'abord nous rencontrer avec le haut-commissaire pour lui soumettre des propositions sur la faisabilité sur le terrain pour préserver la sécurité des populations, la sécurité des personnes et des biens. Il s'agissait de la voie ferroviaire, c'est-à-dire des trains passagers. Parce que pour le compte du comité ad hoc, nous avons signé un protocole d'accord avec le CFCO. C'est nous qui envoyons des éléments que nous contrôlons pour sécuriser ce parcours à partir de Goma Tsetse jusqu'à Kimbedi. Mais puisque je dois lancer le PNDDR, ça montre que tous ceux-là qui devront agir dans le département du pôle pour le compte de la sécurisation doivent agir au nom de l'État. Mais ils ne doivent plus agir au nom du révérend pasteur Ntoumi en tant que co-signataire de l'accord de cessez-le-feu. Parce que nous prononçons aujourd'hui la dissolution de notre branche armée. Pourquoi ? Vu tout ce que nous avons, serve à la résolution de toutes ces questions. C'est-à-dire, nous devrons obtenir du chef de l'État l'ordre d'appel qui doit recruter les ex-combattants conformément aux engagements, conformément aux conclusions que nous avons eues lors des commissions. Je vous dis encore, la démobilisation, c'est quoi? Démobiliser, c'est comme si les gens étaient retenus en un seul endroit et qu'il faut maintenant leur demander de regagner leur demeure. C'est ça la démobilisation. Or, nous, dans le pôle, nous n'avons pas de camp, nous n'avons pas de caserne et nous n'avons pas de lieu où nous regroupons les jeunes. Les jeunes habitent chez eux dans leur village. Donc cette étape de la démobilisation ne sera pas importante pour nous parce que chacun vit chez soi. Mais démobiliser veut dire aussi, si le gouvernement avait placé des militaires dans le pôle parce qu'il y avait la guerre, le gouvernement doit aussi enlever ces militaires-là. Donc, Mayama est un district, il y a un sous-préfet qui existe, il travaille à Mayama. Mais les militaires ne sont pas avec le sous-préfet dans le village.
ne cohabite pas avec les populations. Les militaires sont dans les savanes, ils sont sur les montagnes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore dans les trous, avec des mortiers. Avant de venir continuer, parce que nous lançons aujourd'hui, nous allons sursoir le programme pour les obligations électorales. Et nous devons continuer le 4 juillet. Moi, mon souhait et ma demande est que, avant le 4 juillet, pour venir commencer l'identification, il faudrait que le gouvernement aussi, de son côté, enlève les militaires qui sont perchés sur les montagnes avec les armements, c'est-à-dire avec l'armement lourd. Qu'on remplace les policiers et les gendarmes qui doivent cohabiter avec les populations, parce que ce sont les policiers et les gendarmes qui travaillent au service des populations. Et encore, à Mindouli, du fait de la guerre, les militaires avaient occupé tout un quartier. C'est le quartier Télémono. Ils ont occupé les maisons des populations jusqu'à aujourd'hui. Si nous prenons l'état de droit, je pense que le gouvernement doit être la première entité à le respecter. Ces populations-là sont des citoyens congolais. Ils doivent regagner aussi leurs maisons. Les militaires aussi doivent libérer les maisons des populations. Je ne dis pas que le gouvernement enlève les militaires. Je sais que c'est une frontière, mais qu'il trouve une caserne pour ces militaires-là. Dans les périphéries de Brazzaville aussi, je cite à Kiele Tenard, il y a des militaires qui sont là, qui rançonnent les populations. Même les pauvres mamans qui viennent à Gomasese pour chercher le bois, parfois sont menacées dans les heures de l'après-midi quand ils veulent rentrer à Brazzaville. Il faudrait aussi, même s'ils peuvent placer une œil là-bas, mais il faudrait que ce soit des policiers. Et il faudrait qu'ils aient aussi la notion de bien-être. Je remercie la communauté internationale qui ne cesse d'insister que la paix est primordiale pour tout développement. Mais vous devrez aussi appuyer le côté politique. Il faudrait qu'il y ait aussi la bonne gouvernance. Nous avons conclu avec le gouvernement la nomination des membres du Conseil national des Républicains à des fonctions d'État. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons encore. Pour ne pas donner un prétexte, je le dis bien, et c'était pour ne pas perdre aussi cette tribune, parce que quand je ne serai pas venu, comment vous devrez me voir et m'entendre. Je suis venu pour que vous me voyiez et pour que vous entendiez de vos oreilles ce qu'est notre vision et notre pensée en ce qui concerne la paix. Nous nous sommes engagés à faire la paix. Et si on avait tenu les armes, c'était pour réclamer la paix, parce qu'on n'avait pas la paix. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous assister. C'est une bonne chose. Appuyez-nous. C'est sûr que depuis que vous vous êtes investi, parce qu'il y a des preuves, nous aboutirons à la phase finale, à ce que tout le monde ait la quiétude dans leur cœur. Pour ne pas